Espérance, la vie moun Haïti, c'est 24 temps. Ça, c'est première phrase dans dernier tweet. Ancien secrétaire général RDNPA, Éric Jean-Baptiste, lui-même, l'y fait. Avant nèg exam, lâché la ville brutalement dans la boule 12 ensemble avec sécurité. Il était dans machine, il t'a entré la caille. Fanatique Djokanel, Journal 9, Éric Jean-Baptiste tout qui c'est responsable paix éternel loto. Je suis pas avec nous encore. Nèg a gros am fan fwa tuyel dans la boule 12 ak tout agent sécurité. Eh ben selon information yo, monsieur c'est la caille il tap entré dans zone taraz. Parce que yo du ba yo grave, pays en fait peur, pays lui-même son tête piégé. N'importe moun, quel que soit moun ou ya, quel que soit rang ou pas épané. Tendez bien, fratik Djokanel, Journal 9. Mes derniers tweets, Éric Jean-Baptiste. Espérance la vie moun Haïti, c'est 24 temps. Merci bon Dieu à tout ça nous parweyo pour protection Robertson Alphonse Jouy en bas criblay assassin. Pita se pral tout pa ki laisse. Est-ce qu'il a gagné même chance là? Dirigeant qui pas sécuriser vie, qui pas permettre même petit moun à l'école, ça yo utile. Tweet ça li te fel après nèg exam pendant semaine, t'es attaqué journaliste Robertson Alphonse, yo te criblé machine ak bal tout. Mais chance pour Robertson Alphonse, bon Dieu t'es épargné la ville, li pat mouri, yo t'es courir l'hôpital avec elle. En ben Éric Jean-Baptiste lui-même, la ville pas gétan épargné. Malgré au coup l'hôpital avec lui, monsieur pas sauvé. Lui même avec toute agence sécurité, yo mouri en babal nèg exam fanatique Djokanel Journal 9 bagay yo triste. Et Éric Jean-Baptiste c'est un monde tout, on a parlé de dialogue, on a demandé pour acteurs chita ensemble parce que dialogue là c'est la donne nous ka résoudre crise pays. Mais tout acteur yo pi fort là dedans yo pas dans dialogue. Yo chaque c'est clan personnel yo, c'est chapelle politique yo a défendre, yo pas dans dialogue parce que c'est pas intérêt pays a yo wè. Ben en pile moun longe douette sous groupe gang ti makak ki nan la boule ka ferraille ka fè la pli et les boutons parce que zone ça c'est fief ti makak. Et krendou machine Éric Jean-Baptiste blindé, il était blindé dans niveau 4, ça dit son haut niveau blindage que le gagné. Malgré ça niveau blindage là pat edel échappé en babal nèg exam nan la boule 12 fanatique Djokanel Journal 9. Donc message nèg exam voye bay peuple haïtien ou bay tout moun nan pays a, c'est que même si ou marcher nan pays a la nan gros machine blindé, ça pa vle di la vie ou panier. Même sou nan kay ki gen mu ki monte 17 rote, ça pa vle di ou panier parce que ou ka rentre pran ou parce que noue nèg yo gen bulldozer ou bien gros tracteur pelle excavatrice, yo ka craser mi la kayou, yo ka craser kayou rentre pran ou. Donc là pa gen moun ki épanier en bas en ben zam bandi ici nan pays d'Haïti. Côté nèg yo même c'est sans y a marché fait couler fanatique Djokanel Journal 9 Jean Dola Éric Jean-Baptiste c'était secrétaire général RDNP, c'était responsable Toto Bolette hein paix éternel, on est le paix éternel. Donc là situation lui même li triste fanatique Djokanel Journal 9. En pile moun get avoué sympathie pour Éric Jean-Baptiste, mais gen moun ki di en plus sympathie ça qui ça ne pral fait, qui ça ne pral fait parce que trop sang couler dans pays là, faut que bagay ça suspend, trop moun mouri dans pays là, faut que bagay ça suspend. Krendo gen ancien sénateur Yuri La Tortue lui-même qui t'est parlé, il fait qu'on est que problème insécurité ça, c'est pas question militaire étranger qui résoudre li, mais c'est un appui technique pour bay la police là pour résoudre li. Et il fait qu'on est que doit gagner un compromis historique en tout acte, quel que soit pour parti politique ou yé, doit un dépassement de soi qui fait pour nous chita parler, pour nous jouer un compromis pour résoudre la crise pays. Entendu, ancien sénateur, Yuri La Tortue. C'est une assistance technique que nous demandons à la police et aux forces armées haïtiennes. Martino, décision que moi-même, comme politique, moi, je dois prendre, c'est décision qui va mettre l'autre génération dans le problème. Nous avons déjà une intervention qui était faite avant nous. Nous avons mis en 1994. Nous sommes obligés de gérer
tout ça qui est passé mal dans l'intervention. Il fait que si la bonne décision qu'on y a, son décision qui vous fait que l'autre génération n'a pas vu le même problème. Ça. Et c'est peut-être ça que je dis, qu'il faut une assistance technique à la police et aux forces armées d'Haïti. Comment pour assistance là, ni manifester, tout aller dans les détails. Je viens de parler de détails, je vais regarder le général, la forêt générale, pour te dire, mais qui ça exactement que nous t'appelons. Premièrement, ça pour Canada faire pour nous, pour une assistance, c'est porter les matériels pour nous dans le même avion d'armée canadienne. Parce que nous connaissons, c'était une subvention de transport pour nous, mais on a déporté trois blindés et MRAP. Les blindés, ça a été obligé de faire travail là-dedans, c'est qu'on y a le bon. Hein, après 15 jours, on a été obligé de faire travail là-dedans. Donc nous avons porté matériel pour nous, les 15 blindés. Et pour te revenir, tout fini. Puisque le Canada a gagné caoutchouc qui blindé, des protections, des radiateurs, tout ça qui est demandé. Nous pensons que si on porte le premier matériel, ça est fini. Avec les fusils d'assaut, avec les autres matériels, avec les munitions, ça va déjà mettre nous en position que l'unité tactique anti-gangue. Que le directeur général l'a formé, que vous avez des matériels pour commencer à avancer et commencer à planifier les réponses. Donc, c'est le premier bagage que je vous dis, vous êtes conscient de ça, quoique nous sommes une maille privée canadienne, ce n'est pas l'État canadien, mais je vais aller là, je vais obliger mes débouchures pour que nous jouions le reste qui est stable et le reste matériel. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, nous pensons que avec l'occupation bandit de zone métropolitaine, eh bien, l'unité tactique anti-gang noire, les gagnants ont effectif qui va suffisant. Et que eux-mêmes, au niveau de force l'armée et de gendarmerie, ils ont gagné des unités qui ont complémenté pour que nous avons force conjointe avec Haïti, qui ont eux-mêmes fait opération plusieurs fois à la fois. Mais toujours avec UTAC, unité anti-gang que nous formions. Qui a pas d'accompagnement, et le Sahara, moi pense que l'opération a fait avec leadership police noire, mais avec accompagnement qui a permis que nous déployions trois ou quatre côtés à la fois, parce qu'il faut libérer tous ces espaces, que ce soit Matissan, que ce soit Valais-Bouquet, que ce soit Peigné, que ce soit La Boule, il faut libérer ces espaces le plus rapidement possible. Troisième façon, c'est que immédiatement que l'opération soit faite, il faut la formation pour que l'unité tactique anti-gangue ait une capacité pour que désormais ils répondent à toute forme de menace. Donc, l'opération et la formation. Et ça, nous pensons que ce bagage qui est possible, puisque ils ont une expertise là, et en même temps, sur le terrain, l'unité tactique noire a une expertise là. Ça, c'est le troisième point. Quatrième point, pas oublier, l'armée a livré ça tout. Et l'armée a fait toujours un appui à la police, selon la constitution haïtienne. Et pour qu'il y ait un appui à la police, il faut l'équiper. Leur unité tactique pratique dans une opération, il faut les unités en général de l'armée qui a aidé en cas que nous avons un problème. Donc, si ce général était armé là lui-même, livrer vraiment assister, eh bien, donc à Haïti, il faut que l'unité soit formée pendant que l'unité tactique est en souterrain. Et puisque nous avons environ 1200 officiers et soldats qui forment soit en Amérique latine, ou bien au Mexique, ou bien ici, moi, pensé, effectif là déjà là, il faut simplement mettre ces unités en œuvre pour aider la police là, le que vous voulez. Et le Sahara, institution Panoyo, a qu'à arriver justement fait travail là après un temps et a pu être que Yucatan responsabilité au niveau technique. Et dernier point que je voulais soulever après, sur la question humanitaire, immédiatement que justement zone ça a été c'est ces unités qui ont même accompagné de vraies organisations communautaires. Qui ou même qui vous fait distribution dans un an.
faut yo pas rentrer dans ça qui est passé autrefois pour que yo quitte les distributions à des anciens chefs de gang qui eux même viennent encore prendre force dans zone. Vous avez ça qui est déjà passé à l'organisation brésilienne, la Rio, qui lui-même a promouvoir ça. Et ça n'a pas pour nous. Donc le Sahara, il faut sûr que la question humanitaire là, c'est le peuple là qui la joigne, c'est pas justement bandit pour la joigne. Qui fait que dans la situation ça, nous avons éclairci 5 points. La question des matériels, hein, la question du renforcement de l'État, la question de la formation, la question des engins lourds pour les forces armées haïtiennes et la question humanitaire, je vous le fais, distribution et intervenir dans la zone côté qui est problème pour que ce n'est pas un problème que vous pouvez voir, même gens, c'est une expérience dans le passé. Et le Sahara, unité Sahara, qui a aidé l'unité de la police là, une fois que le travail est fini, vous-même, il n'y a pas besoin d'unité, car il y a des experts en formation d'unité, mais le Sahara, assistance-là, est limitée dans le temps qui va permettre que nous avancions. Tout ceci, nous dit, nous avons parlé technique. Mais cependant, tout ça avant le fait, il faut que nous gagnions la gouvernance là. Parce que si nous gagnions, on assiste à ce qui vient là, sous forme d'aide à la police ou à l'armée. Et bon, on connaît ça qui a passé. Le gouvernement, ça a là, qui a pensé, dans la tête, c'est renforcer le renforcement. Ah oui, il faut qu'il y ait ce compromis. Parce que même ne va pas venir assister pour consolider le gouvernement. Il doit venir assister pour aider le peuple haïtien. Contre le problème que le gouvernement a, mais ce n'est pas pour le gouvernement. Et c'est peut-être ça que nous te dit nous-mêmes, pour un dépassement que nous faisons, nous-mêmes qui sommes toujours dans l'opposition, qui sommes campés, nous dit mon dépassement que nous faisons pour nous faire appel à un compromis historique. Et compromis ça, son compromis côté que faut nous parler à la société. Parce que dans le pays, chaque monde a une proposition qui a fait. Et proposition sortie de chaque parti, de chaque organisation, que ces propositions comme qui vont, et en fait, il n'y a pas la solution haïtienne. Nous lançons un appel à ce compromis ISO. Le compromis ça, nous commençons à parler déjà, nous-mêmes l'appel, avec le secteur politique. Mais pas oublier, il n'y a pas le secteur politique là qui suscite. Le plus souvent, nous-mêmes, le secteur politique là, eh bien, nous parler, nous pensons que nous parlons pour tout le monde. Non. Dans le compromis, il faut tout le secteur sous table là. Il faut le secteur politique là, nous, que nous commençons par l'appel, dans cet appel là. Il faut nous parler avec syndicats. Avec syndicats. Il faut nous parler avec le secteur privé. Il faut nous parler avec l'université. Il faut nous parler également avec le secteur de base. Mais il faut nous parler avec les gens qui ont petit et moyen agriculteur, agriculteurs, businessmen, qui n'ont pas de problème. Malheureusement, il y a un pire règle politique là. Il y a un boulot dans le pays, il y a des palais. Il y a une douleur dans le café business là. Il y a une douleur dans le monde. Et c'est peut-être ça, la politique là, seulement pas cavaler. Il faut parler parce que c'est eux qui investissent dans le pays. C'est eux qui ont cadré bloqué, c'est eux qui ont un problème. Donc il faut avoir un mot pour dire tout. Et moi, je pense que le compte ça, il n'y a pas de long. Il y a de rapide pour la société à dégager justement une solution. Ça. Et nous-mêmes, dans Haïti en Action, nous disons, quelle que soit la solution que la société a dégagée, depuis les majoritaires, nous allons combattre. Position nous toujours claire, nous-mêmes nous allons en arrière. En arrière. Nous allons trouver en arrière, nous pensons que Ariel échoué. Nous pensons que Ariel doit aller. C'est la position de l'art. Mais si une position majoritaire qui sortit, que toute société a d'accord avec elle, nous ne doit pas suivre, nous ne doit pas nous faire. Nous ne doit lutter dans la position, même pas pour Nathalie. Parce que je dis à la société à tout, si je veux nos solutions, il faut l'avancer. Ah oui. Faut l'avancer.
Parce que je dis, il y a plein de monde qui vivait dans le pays, qui a une situation extrêmement difficile. Et nous tenons compte de eux, surtout de majorité silencieuse. Et c'est pour ça que nous dit, tout secteur ça eux, que nous parlons pour nous parler. Mais il faut nous répondre, pas aux responsabilités. Il faut nous venir pour nous entendre pour que nous dégager la position. Et position ça, la position majoritaire, pas gain aucun blanc qui a dit c'est la solution haïtienne. Pas aucun blanc qui a dit. Et moi-même, moi dire, quelle que soit ma position, dès que mon position majoritaire absolue, parce que c'est la démocratie, ce n'est pas l'élection, c'est le consensus de la société que nous rejoignons. Il faut nous parler pour nous arriver à parler avec tout le monde. Dans ce sens-là, moi pense que depuis l'autre jour, au niveau politique, n'a pas la politique, nous parler avec les responsables de l'université. Pour aller parler avec les syndicats le plus rapidement possible, par exemple, avec les groupements de métiers, les corporatifs, avec les organisations de défense des droits humains, le secteur privé, pour que vos solutions majoritaires, je sais, les solutions ça, d'un camédel, pour nous dire voici la solution à l'ICEL. Donc, nous demandons tout acteur au fond sacrifice, au dépassement, pour ce qu'on nous sourit, pour que nous arrivions dans en solution haïtienne, côté nous des plans, pas faire interférence là-dedans. Tendez, ça n'a pas dit. Gardez, ça n'a pas fait. Quittez nos grands responsabilités. Mais, on a besoin d'assistance là, qui pour aider la sortie. Assistance technique, là, vous n'êtes pas les assistance économique, là, puisque le pays là, à terre, n'importe qui, l'autre gouvernement qui est là, on va regarder qui est survie. Donc, c'est pour être ça, nous dit. Si nous avons possibilité d'une solution, on a besoin d'assistance pour que nous puissions sortir de là. Parce que j'aime toujours dire, l'aide doit nous aider à sortir de l'aide. Alors que l'aide qui était portée pour nous dans l'intervention en 2014, elle aide nous à rester dans l'assistance là. Nous ne pouvons pas faire ça. Il faut que si nous jouons aide aujourd'hui, dans 25 ans, nous parlions pour nous commencer dans ça. Bon. Et c'est pour ça que nous regardons la délégation. Je vous le dis, je te comprends. Écoutez, que nous-mêmes, c'est dans l'île Zakurie, nous espérons, et nous continuons à voir sur la vidéo, nous continuons à la vidéo pour que nous nous mettions sur le sujet. Voilà en gros ce que nous avons présenté comme un point. Déclaration ancien sénateur Yuri La Tortue qui t'a parlé de moyens pour résoudre problème insécurité a, mais surtout de compromis historique ça que t'as dû joindre acteur politique yo pour résoudre crise pays pour mettre au gouvernement en place pour venir résoudre problème yo parce que là dépassement ça nous gagne impression haïtien pas vle fèl parce que yo pas vle chita ensemble pour résoudre problème pays a malheureusement fanatique Jokanel journal 9. Ou kon formule déjà, si vous pouvez abonner à la chaîne, ça prend quelques secondes pour faire ça. Cliquez sur subscribe et puis cliquez sur la petite cloche pour toujours recevoir notification. Chaque fois nous partager une nouvelle vidéo avec vous sur page ça. Suivez-nous sur Facebook, Instagram, Twitter. Suivez-nous sur www.journal9.tv et toujours faire des bagages neufs pour nous dans Cash App, Zelle, PayPal pour encourager bel travail information. Sans camper, Journal 9 a fait dans tout pays. N'ap camper là avec vidéo ça.